Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Cette semaine à InfoCan, bilan de la saison estivale 2017 du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Plusieurs projets et collaborations pour l'organisme Moisson Kamouraska. Et la participation des élèves de l'école Chanoine Baudet dans le cadre du défi Chaîne de vie. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information régionale InfoCam. J'espère que vous avez profité de cette belle fin de semaine. Le soleil était au rendez-vous, ça fait du bien. Et j'espère que vous avez profité aussi de ce moment pour lancer des feuilles mortes au visage de vos amis. Oui, je parle bien de la grande bataille de feuilles mortes qui a eu lieu en fin de semaine, donc à la Pocatière. Cette activité est en lien avec l'Halloween à la Pocatière. Et encore une fois, cette année, on peut dire que ça a été un véritable succès. Alors, au début de l'émission, on commence avec les nouvelles en bref. Dans le cadre du remaniement ministériel, le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, a nommé M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, à la fonction de whip adjoint du gouvernement. Ce dernier a indiqué qu'il s'agit d'une belle opportunité pour lui puisqu'il entretient d'excellents rapports avec ses consorts et confrères, en plus de posséder des qualités de leader auprès d'eux. Poste désigné par le chef d'un groupe parlementaire, les whips adjoints viennent en aide aux whips en chef du gouvernement pour assurer la cohésion et l'assiduité au sein de ce groupe. Ceux-ci ont la responsabilité, entre autres, de s'assurer qu'un nombre suffisant de députés est présent en Chambre et aux travaux des commissions, en particulier lors d'un vote. Cette nomination est effective depuis le 18 octobre 2017. Autre nouvelle en bref, Projection 1635 souligne la persévérance et l'engagement par la remise de 6 méritas. Depuis maintenant 15 ans, Projection 1635, le Carrefour Jeunesse Emploi, reconnaît le mérite de jeunes qui ont sollicité le soutien de l'organisation et qui se sont démarqués d'une façon toute particulière. C'est le mercredi 18 octobre que se tenait la soirée de remise des méritas visant à reconnaître leur persévérance et leur engagement. La soirée a permis de souligner la résilience de deux jeunes adultes qui ont su tirer leurs épingles du jeu dans leur démarche d'employabilité, ainsi que l'implication de nouveaux arrivants qui ont fait appel au service de place aux jeunes. De plus, l'équipe de Projection 1635 a remis un méritas à un jeune s'étant investi en persévérance scolaire et un autre pour l'enthousiasme d'une participante dans son processus de mise en action. L'entrepreneuriat n'a pas été en reste. L'implication de jeunes du secondaire dans leur projet d'entreprise étudiante a permis la remise d'un sixième méritas. La soirée de remise des prix mérite jeunesse est l'occasion de rappeler que peu importe son origine, sa condition sociale ou ses défis professionnels, chacun peut grandir en allant chercher dans son milieu et en soi les ressources nécessaires pour se réaliser. Et dernière nouvelle en bref, le CDBQ fête ses 20 ans. Le Centre de développement bioalimentaire du Québec a souligné ses 20 ans d'innovation vendredi dernier lors d'un 5 à 7 rassemblant près de 140 convives. Depuis le transfert des actifs de la ferme expérimentale en 1997, le CDBQ a connu une croissance remarquable qui s'est traduite notamment par des investissements majeurs en infrastructure et une augmentation de son personnel scientifique. Depuis sa fondation, le CDBQ a investi pas moins de 24 millions de dollars dans différents projets d'infrastructure. Parmi ceux-ci, notons l'implantation d'un incubateur en transformation bioalimentaire, la construction d'un complexe agrobiotechnologique, la modernisation des laboratoires, la construction d'un système énergétique à la biomasse, l'acquisition d'un système de traitement en haute pression hydrostatique et plus récemment, en 2016, l'implantation d'une chaîne de biofermentation. Fort d'infrastructures modernes et une équipe professionnelle complète, le CDBQ a développé une expertise reconnue dans les secteurs de la transformation bioalimentaire, de l'agronomie et des biotechnologies. Le CDBQ entrevoit l'avenir avec beaucoup d'optimisme.
Toujours motivés par l'innovation, de nouveaux projets sont en cours de réalisation. Le plus important consiste à agrandir l'incubateur bioalimentaire pour doter le CDBQ d'infrastructures à la fine pointe de la technologie dans le domaine des boissons fermentées. Ce projet, déjà confirmé, nécessitera des investissements de 4,5 millions de dollars. L'été est bel et bien terminé. Je crois que je ne vous apprends rien aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui travaillent dans le domaine touristique, c'est l'heure maintenant de faire les bilans. J'ai rencontré Alexandre Bibeault, l'agent de développement du parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, pour parler entre autres de la tournée du Haut-Pays qui a eu lieu cet été. L'été est bien sûr 2017. L'été est terminé, c'est déjà la période des couleurs. Pour le moment, le Haut-Pays appartient aux chasseurs. Bilan de la tournée du Haut-Pays. Écoute, on a eu 6 activités qui se sont réalisées finalement dans le Haut-Pays, dans 6 municipalités différentes, des territoires différents, puis à chaque fois à des endroits qu'on voulait mettre en valeur. Au niveau de la participation, la tournée du Haut-Pays s'est très bien déroulée. Au total, c'est un peu plus de 850 personnes qui ont participé à nos 6 activités. Et nos 3 activités qu'on avait, nos 3 événements sur inscription, donc où on avait des places limitées, ont affiché complet. Donc, c'est hyper positif au niveau de la participation. Aussi, ce qui a vraiment été plaisant, c'est que ça nous a permis d'aller autant du côté de Saint-Alexandre, Saint-Onésime, Saint-Bruno, des événements plus dans les villages, des fois plus loin en forêt ou sur l'eau. On a vraiment fait vivre aux familles des activités diversifiées, divertissantes, et on a permis à ces familles-là de se créer des souvenirs dans le Haut-Pays précieux. Je vais toujours avoir en tête l'activité qu'on a fait à Saint-Bruno, notre tournoi de pêche. Le petit gars de 3 ans et demi qui a gagné le tournoi de pêche, qui est venu à la pêche avec son papa puis son grand-papa. Eux autres sont repartis avec les plus beaux souvenirs de leur été en ayant participé à nos activités dans le Haut-Pays. Est-ce que tu as de plus en plus de citoyens du Haut-Pays qui te partagent un peu ces idées de projet? Est-ce que les gens commencent à s'impliquer un peu aux activités qu'il pourrait y avoir, par exemple? Bien, tu sais, notre parc régional, il n'est pas simple. Hein? Ce n'est pas un territoire défini où on va payer 5 $ à l'entrée pour aller faire du camping ou de la marche. Tu sais, c'est un projet de concertation puis de développement. Mais de plus en plus, les gens du Haut-Pays et même du littoral ont le réflexe de nous interpeller au parc régional pour parler de leur projet ou pour implanter leur entreprise ou même des nouveaux arrivants pour éventuellement trouver la bonne municipalité pour leur profil. Ça, c'est avec les collaborations qu'on fait. Donc, non seulement les organismes, nos partenaires, mais aussi des gens de la population ont de plus en plus le réflexe de venir voir les gens au parc régional du Haut-Pays pour valider ou trouver des pistes pour leur projet. Ça, c'est hyper intéressant. Une autre retombée qu'on voit de plus en plus, ou plutôt de moins en moins, on n'entend plus parler de l'arrière-pays. Ça, c'est tellement précieux. Avant, dans le langage populaire, on disait « bon, ben c'est l'arrière-pays de Kamouraska », puis ça venait avec une espèce de connotation c'est lourd à porter. Puis là, hop, le transfert s'est fait. Maintenant, on entend parler du Haut-Pays de Kamouraska. Puis ça, quand on dit le Haut-Pays, c'est le torsibon, tu sais, on est fiers de ça, le Haut-Pays. Ça, c'est une belle retombée. La dernière belle retombée, puis là, on l'a vraiment validée avec la tournée du Haut-Pays cet été. Pour la tournée du Haut-Pays, on a eu 30 partenaires impliqués dans les 6 événements. Plusieurs de ces partenaires-là venaient du littoral. Donc, de plus en plus, on fait aussi affaire des partenariats. On va avec les organismes ou les entreprises du littoral réaliser des activités dans le Haut-Pays. Et donc, on est en train de multiplier les échanges nord-sud dans notre MRC. Et bien là, on va chercher les atouts de l'ensemble du territoire pour mettre en valeur à la fois le Haut-Pays et le littoral. Donc, le parc régional est vraiment en train de devenir un projet avec des retombées pour l'ensemble de la MRC. Est-ce que, si on parle du côté touristique, est-ce que vous êtes au courant si les touristes qui passent par ici viennent visiter le Haut-Pays? Est-ce que vous pouvez le savoir, ces informations-là? Parce qu'on sait quand même que l'été, il y a beaucoup de touristes qui passent ici. Si on prend touristes au sens large, on a des indices qui nous disent oui, il y a plus d'achalandage, il y a plus de visites qui se fait dans le Haut-Pays. Par exemple, Zone Aventure, qui fonctionne bien, qui est rendu à sa 6e ou 7e année d'opération. Sa clientèle est toujours en hausse. Donc, on voit que oh, pour sa clientèle, à lui, il y a une hausse. Pour Voirie des Trois-Lacs, ça va bien. La location des chalets, la pêche, là aussi, oh, il y a de plus en plus de monde qui y vont. Camping du lac de l'Est, beaucoup de monde qui fréquente les lieux. Zec Chappet, pareil. Camp musical. On voit qu'on a des partenaires, on a des gens qui contribuent au pays, que eux, leur situation est... Du moins, on a l'impression que ça s'améliore. Il faudra leur poser leurs questions à eux, c'est juste une impression. Mais effectivement, il y a plus d'achalandage. On voit aussi une multiplication de projets comme des circuits vélos qui apparaissent dans le Haut-Pays. Je pense au circuit de la Pommette, qui couvre entre autres la municipalité de Saint-Gabriel-l'Allemand. De plus en plus de gens qui vont
à la pommetterie, d'ailleurs, pour chercher des produits à cet endroit-là. Il y a des projets qu'on a lancés au tout début du parc, comme la scène culturelle des jardins à Mont-Carmel. Maintenant, les mercredis du parc, ça attire du monde. Il y a des gens qui vont là. Puis il y a une foule d'exemples comme ça. On a peut-être, je crois, c'est 23 ou 24 projets qu'on a appuyés, qu'on a supportés dans le haut pays, puis qui donnent aujourd'hui des retombées. Et là, je ne vous parle même pas des expériences Kamouraska, des différents tours guidés qu'on anime, les collaborations qu'on fait avec Place aux jeunes, le nombre de nouvelles familles de jeunes qui viennent s'établir dans le haut pays. Il y a plein de petites retombées comme ça qui sont dures à quantifier, qu'on ne peut pas dire c'est juste grâce à nous, mais le parc régional est là pour faire de la concertation puis faire travailler les gens ensemble pour multiplier les retombées. Puis je pense que ça marche assez bien. Là, je veux pas être prophète de malheur ou je veux pas parler de choses négatives, mais est-ce qu'il y a quand même des initiatives, des projets qui ont plus ou moins fonctionné? Aussi, est-ce que ça est arrivé au parc où on parle vraiment de succès par-dessus succès, tous les projets que vous avez faits? Non, il y a des projets à travers le temps qui ont plus ou moins fonctionné. On a fait des essais. D'ailleurs, dans notre charte de fondation du parc, on s'était inscrit le droit à l'erreur. Écoute, on fait des tests, on fait des essais, puis il y a des choses qui ont été moins porteurs, qui n'ont pas abouti. Je ne veux pas nécessairement nommer un projet en particulier, puis bon, là, attirer le focus là-dessus, mais il y a des initiatives qui ont moins bien marché. Puis on voit qu'il y a des initiatives aussi qui s'essouffent tout doucement, qu'il faut travailler, qu'il faut transformer. Tu sais, je pense entre autres la formule des tours guidés, expérience Kamouraska. On a moins de monde qui font le tour régulier qu'au début. Donc, s'inscrire à l'avance, payer 75 $, faire la tournée. Les premières années, on en faisait 10 comme ça. Cette année, on en a juste fait 2. Ah, tu sais, on voit qu'il y a un déclin. Par contre, ce qu'on a plus, c'est des groupes qui nous réservent des tours privés pour accommoder leurs besoins de visite du territoire, littoral au pays. Puis là, on s'aperçoit qu'Expérience Kamouraska est en train de muter vers une autre forme de représentation du territoire. Donc, c'est ça, c'est en mouvance, ça bouge. En général, on est plus dans le positif que dans le négatif. Mais effectivement, il y a des choses qui avancent moins qu'on voudrait. Mais il faut pas oublier aussi cette fameuse phrase, hein? On apprend de nos erreurs. Donc, faire des erreurs, c'est bien aussi parce que ça t'encadre plus pour les futurs projets aussi, là. Absolument. Il y a beaucoup d'apprentissage à travers tout ça. Puis on est... Tu sais, oui, il y a l'agent de développement qui est au parc régional. Il y a l'équipe de la MRC qui est là pour soutenir le parc régional. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi 7 municipalités, un réseau de 30-40 partenaires maintenant qui sont autour du parc régional. Puis, ben voilà, tout le monde apprend, tout le monde évolue là-dedans. Puis, au total, je pense que le portrait global est positif. Il est le fun pour en entendre de plus en plus parler du haut pays avec le sourire. Puis là, j'ai pas le choix de penser à TVCK. Avec plaisir d'été au Kamouraska. On a tellement entendu parler des émissions qu'on a fait, Gros Pain, Enrico, La Chasse. Donc, c'est un paquet de choses comme ça qui sert à faire augmenter la connaissance qu'on a de notre territoire auprès non seulement des acteurs, mais aussi auprès de la population. Puis ça fonctionne. On a du plaisir. En terminant, Alexandre, j'imagine qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent super intéressants pour l'été 2018. OK, je sais, là, j'aurai pas de scoop aujourd'hui, mais c'est en travail, là, présentement, là. Oui, forcément, là, on est en train de faire des bilans. Hein? La fin de la saison touristique emmène aussi le début de la saison des bilans. Mais pour l'année prochaine, on est déjà à travailler sur certaines initiatives, certains projets qui s'en viennent. Il va y avoir des projets en lien avec le rayonnement, avec les médias. Il va peut-être avoir des projets aussi dans les TNO, avec les municipalités. Je ne peux pas dire à ce moment-ci que la tournée du Haut-Pays va revenir, mais il y a d'autres événements qu'on veut prévoir là, avec nos partenaires. Et puis, de toute façon, je vous invite à suivre la page Facebook du Parc régional et vous saurez tout. Et le journal Le Haut-Parleur. Oui, Le Haut-Parleur qui vient tout juste d'être publié pour ceux qui voudraient le consulter. C'est sur notre page Facebook. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas été visiter les locaux de Moisson Kamouraska à la Pocatière, bien sûr. Et heureusement que j'étais allée faire mon petit tour parce qu'il y a eu beaucoup de changements à l'intérieur du bâtiment, mais aussi des collaborations vraiment surprenantes, mais combien intéressantes. Je laisse Mireille Lisotte vous en parler un peu plus parce que évidemment elle connaît le sujet mieux que moi. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour Moisson Kamouraska présentement, dont le projet PRS. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de ce projet? Oui, le projet PRS, c'est le programme de récupération en supermarché. Ce projet-là vient de Moisson Montréal. En fait, c'est la récupération de viande avec des acteurs comme les épiceries comme Métro, IGA. Nous, on est maintenant à 3 magasins depuis juin. On a eu un projet pilote, donc avec le IGA de la Pocatière, qui nous a permis de récupérer 3 500 livres
par semaine de denrées alimentaires. Donc, on récupère des produits comme la viande, des produits de boulange, le lait, produits laitiers, bien sûr, et les fruits et légumes. Est-ce qu'il y a d'autres épiceries qui vont pouvoir s'associer avec vous et ne pas seulement en avoir trois, parce qu'on sait que la demande est de plus en plus grandissante? Donc, est-ce que vous pensez que les épiceries vont s'associer à vous? Oui, parce que sur le territoire que je desserre, que je rappelle de Montmagny au Basque, j'ai un potentiel de 12 magasins. Donc, présentement, on est rendu à 3 magasins. D'ici l'an prochain, d'ici en mars, je pense que je vais être rendue du côté de Saint-Pascal. Puis les gens, faut comprendre, là, c'est pas des produits qui sont pas bons. Nous, on fait un tri, mais la viande, c'est super bon. C'est vraiment congelé à date de péremption. Puis c'est comme chez vous, lorsque vous avez pas envie de cuisiner votre poulet, vous le mettez dans le congélateur, on le ressort quand on a besoin. Et pour nous, bien, c'est de l'or en barre, qu'on pourrait dire. Là. Si on parle aussi d'un autre attrait supplémentaire qui vient en lien avec la mission de Moisson Kamouraska, vous offrez aussi la cuisine collective. Vous avez une superbe cuisine en bas, vraiment fraîchement rénovée. Ça fait quoi, un an ou deux à peu près que le projet est final? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces cuisines-là? En fait, le projet de cuisine collective, c'est d'offrir des ateliers culinaires à des jeunes, jeunes et moins jeunes. Le projet de cuisine collective, c'est qu'on offre un dépannage alternatif aux gens qui ne veulent pas venir dans les dépannages, mais qui veulent se structurer ensemble, des petits repas qui sont bons pour la santé, qui sont économiques. Donc, ça permet à ces gens-là de socialiser. Et on a aussi le volet éducation populaire. Donc, il y a des gens, comme avec Projection, si je nomme ce groupe de gens-là, c'est des jeunes qui viennent chercher des notions de cuisine de base. Donc, on aime bien donner... apprendre à pêcher et non pas donner le poisson qui va avec. Fait que c'est des gens qui vont avoir tout ce qu'il faut pour bien cuisiner, des activités de base comme hygiène et salubrité, qu'est-ce qu'on fait avec... comment on fait un roux, comment on fait une sauce spaghetti, comment je peux cuisiner la lentille, etc. Et ça, c'est des ateliers qui sont super dynamiques. C'est un groupe de 10 jeunes. En janvier, on devrait avoir le cégep de la Pocatière qui va se joindre à nous avec un volet qui s'appelle Cuisine du monde. Donc, c'est des beaux projets, puis ça permet de nourrir ces gens-là également. Il y a aussi un beau projet que je veux revenir avec ton partenariat avec la CDBQ. Je trouve ça, c'est une excellente idée, c'est un beau partenariat. C'est quoi l'entente que vous avez? Bien, cette entente-là, bien, en fait, c'est un peu un effet boomerang, si tu veux. La CDBQ a reçu une subvention pour étudier... ou éviter le gaspillage alimentaire. Donc, pour ça, ils ont besoin de faire avoir des denrées alimentaires. Donc, nous, on donne nos surplus qu'on a pour faire une transformation alimentaire et eux vont nous produire, exemple, la sauce à spaghetti, la sauce à vol au vent, la soupe à la courge. Donc, nous, on a des bénévoles qui viennent faire de la transformation. On leur fournit ces ingrédients-là. Et tout ça est transformé. Il y a une étude qui est faite avec les gens de la CDBQ, là, les chercheurs. Et bien, ça nous permet d'avoir de nouvelles denrées alimentaires ou des repas qui sont plus nutritifs ou plus complets pour remettre dans les dépannages alimentaires. Ça, c'est vraiment une belle association. Et là, on est déjà rendu milieu octobre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la demande est de plus en plus grande pour les denrées. Comment vous voyez ce Noël qui s'en vient pour les gens d'ici? Bien, en fait, les paniers de Noël, ça va toujours à la hausse. L'année passée, on a eu une augmentation. On a eu 375 paniers de Noël qu'on est venu bonifier entre 25 et 30 items au Kamouraska. Donc, c'est sûr que des produits d'utilisation quotidienne, on en a très rarement. Des produits comme le thon, le poisson, mais aussi des bonbons. Tu sais, Noël, c'est pas juste... faut pas que ça soit plate, faut que ça soit le fun, mais avoir ces denrées-là, souvent, on les a pas. Et il y a une hausse, là, présentement, au niveau des dépannages alimentaires. On voit que le visage de la pauvreté change. C'est pas juste des gens qui ont une problématique avec l'aide sociale. C'est des gens, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, les paniers de Noël, je crois que les gens vont en avoir de plus en plus besoin. Et il faut savoir aussi que le dépannage au Kamouraska est structuré aux 6 semaines. Donc, c'est long. Il faut s'assurer que ce panier de Noël-là va venir bonifier leurs besoins ou bonifier ce qu'ils ont déjà présentement dans leur garde manger. Là, on sait que la guignolée des médias, c'est pour renflouer les coffres de certains organismes qui aident ces gens-là. Mais c'est peut-être important de rappeler à la population qu'on peut venir porter de la nourriture pour les paniers de Noël ici. On peut venir donner des denrées alimentaires ici parce qu'effectivement, nous, on fait les paniers pour le Kamouraska grand complet, comme je mentionnais tout à l'heure, en 25 et 30 items. On peut donner du temps aussi, du temps en bénévolat, et on peut donner aussi des dons en argent, ce qui va nous permettre d'offrir des meilleurs paniers de Noël ou de venir bonifier l'aide qui est déjà apportée par les comités de paniers de Noël dans chaque municipalité.
Une autre bonne nouvelle, ou en fait, c'est vous visez une bonne nouvelle, ça serait l'achat du bâtiment ici, parce que là, vous avez un manque de place, hein? Effectivement. En fait, c'est qu'on veut devenir propriétaire, donc on recherche un financement pour acheter la bâtisse. On est en mode solution parce que présentement, l'entrepôt, qui était notre plan B il y a 5 ans, est rendu maintenant trop petit. Donc, il faut s'assurer d'avoir une structure avec une dalle de béton pour avoir de plus grands espaces, stocker encore plus. Pas stocké pour garder, c'est stocké pour pouvoir redonner. Donc, avant, ce matin, on a donné 7 palettes. Bien, il m'en a rentré 8. Donc, moi, je pensais faire une bonne affaire, mais c'est déjà plein. On a besoin de chambres congélation. Le projet de PRS que je te parlais un petit peu tantôt, bien, quand ça rentre, là, puis j'ai... Il faut que je stocke pour pouvoir redonner. Bien là, avec une chambre congélation, avec un endroit plus grand, mieux structuré, bien, ça nous permet de venir encore mieux aider le Kamouraska dans notre mission. Et si on fait le tour ici de Moisson-Kamouraska, il y a aussi des salles pour inviter les gens. C'était quoi la vision que vous aviez sur ces rénovations que vous avez faites dernièrement? Bien, en fait, je veux rendre ça plus accessible. Je veux que les gens ils se sentent plus comme à la maison. Je veux que les gens viennent faire du bénévolat, qu'ils se sentent vraiment comme chez soi. Il y a des endroits où qu'on va faire... bien, en fait, il y a une télévision qu'on peut donner l'information en continu, donner des formations. Il va y avoir aussi des purées de bébés avec la maison de la famille en décembre. Donc, je voulais que les mamans se sentent à la maison, qui puissent allaiter, que les jeunes, qu'il y ait un endroit pour comme une petite halte garderie pendant que les gens cuisinent. On est en train de transformer ça, puis je trouve ça super génial. C'est très relaxant. C'est vraiment... ça va être le fun. Pour donner les formations, je trouve que ça va être dynamique. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent pour Moisson-Kamouraska. Est-ce que vous vous sentez quand même assez supporté par la population, par le gouvernement ou par toutes les institutions qui peuvent vous aider? C'est une très bonne question. Je vais répondre que par la population, je crois que oui, mais il y a encore amélioration. Moi, ce que je veux, c'est les élus des communautés, les élus de la MRC qui viennent nous voir, qui viennent voir les besoins. Le député qui vient nous voir également. Moisson-Kamouraska, c'est bien plus qu'une banque alimentaire. C'est un milieu de vie. On donne un service d'écoute, on donne un service d'aide et d'entraide. On redonne des denrées alimentaires, mais en même temps, pour faire ça, ça nous prend une mission. Souvent, une mission de base, bien sûr, au niveau du financement, on est épuisé, hein? Tu sais, je veux dire, je fais 40 heures dans la semaine, mais on en demande beaucoup aux employés. On est un milieu de stage aussi pour la polyvalente, donc on a des projets FPT, pardon, et aussi on reçoit des projets PASS. Mais ça me prend des employés pour accueillir ce monde-là, pour les former et en même temps pour les rendre... sur le marché du travail. Mais on est une petite équipe de 3 employés. Souvent, je dis, bon, on en vaut 18, mais ça fait beaucoup de gens. Et souvent, on en donne beaucoup plus que nos heures qu'on est payé pour. Et ça, c'est à un moment donné, tu sais, dans 5 ans, Anne-Christine, je ne sais pas de quoi je vais avoir l'air, mais je vais être à moitié morte, c'est certain. Mais c'est très nourrissant parce qu'on fait... on fait beaucoup pour la population, on développe de nouvelles choses, mais en même temps, je veux que les gens, les élus de la communauté voient ce qu'on fait. Je le dis souvent, on est beaucoup plus qu'une banque alimentaire. Puis en plus, on est votre banque alimentaire interrégionale. Donc, un petit coup de pouce, ça ne fait pas de tort. Certains élèves de l'école secondaire Chanoine Baudet ont participé à une marche, on peut dire, symbolique, pour parler, en fait, du défi Chaîne de vie. On se rappelle que le défi Chaîne de vie, c'est entre autres un programme offert aux élèves de 4e secondaire en anglais, mais c'est aussi et surtout visant la sensibilisation aux jeunes et moins jeunes sur le don d'organes et de tissus. On sait que les élèves de l'école secondaire Chanoine Baudet sont vraiment très actifs. Aujourd'hui, vous nous le prouvez encore une fois. Mais là, c'est pas en lien avec le grand défi Pierre Lavoie, mais plutôt pour la cause Chaîne de vie. Comment ça a débuté, cette activité-là que vous allez faire aujourd'hui? Pourquoi le faire? En fait, on a été sollicité par Mme Lucie Dumont, enseignante retraitée d'anglais à l'école secondaire de Rivière-du-Loup, qui a parti ce mouvement-là, Chaîne de vie, qui fait la promotion du don d'organes et de tissus. Madame Dumont nous a approchés pour qu'on fasse quelque chose avec nos élèves dans un cadre scolaire, en fait, pour les sensibiliser, parce que c'est eux la génération de demain, en fait, qui vont pouvoir faire la promotion du don d'organes et de tissus pour les gens dans le besoin d'organes. Mais est-ce que ça fait partie des cours d'anglais à l'école secondaire Chanoine Baudet? Oui. Dans le fond, M. Charles Fortier, qui enseigne à notre école, va aussi faire un mois, un chapitre qui touche Chaîne de vie, puis tout ce qui est le don d'organes pour la sensibilisation avec nos élèves.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui tient à cœur, les élèves, quand on parle de don d'organes? Est-ce que ça a été difficile d'emboîter le pas puis de sensibiliser les jeunes au don d'organes? En fait, la plupart n'avaient jamais entendu parler de chaîne de vie. Là, on leur en a parlé. Mais en fait, chaîne de vie aussi, c'est aussi la promotion d'avoir la chance d'être en santé. Donc, nos beaux athlètes aujourd'hui sont tous des jeunes qui s'entraînent, qui sont en santé, qui ont la chance d'avoir... de pouvoir gravir une montagne sans difficulté. Fait que je pense qu'il était touché aussi il était conscient de la chance qu'il avait de pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, vous montez la montagne à Coton, mais est-ce que c'est une montée symbolique où il y a eu des fonds ramassés à ça? Bien, c'est une montée symbolique, mais c'est vraiment une montée dans le but de sensibiliser les gens à signer leur carte de don d'organes. On sait que si on décède demain dans des conditions parfaites pour donner nos dons, on peut sauver jusqu'à 7 ou 8 vies avec nos organes qu'on peut donner. Parlez-nous des élèves aujourd'hui qui montent. Est-ce que ce n'est pas tous les élèves de l'école secondaire Shannon Baudet, là. C'est des personnes ciblées qui sont-ils? Oui, c'est nos élèves de la concentration course. C'est aussi nos élèves qui vont participer en mai au Grand défi Pierre Lavoie à la course pour la 5e année. Donc, on a priorisé ces élèves-là qui étaient déjà des athlètes, qui étaient déjà en forme aussi, des sportifs, pour venir monter la montagne. Donc, je peux comprendre que ça ne va pas être trop difficile pour eux de la monter, cette montagne-là, aujourd'hui. Non, vraiment pas. Ils sont déjà super en forme, super bons. Fait que ça va être... dans la joie et l'allégresse qu'on va faire ça pour la cause. Là, il n'y a pas seulement les élèves de Saint-Pascal qui participent aujourd'hui à la montée d'une montagne. Non, il y a aussi les élèves de secondaire 4 et 5 de l'école secondaire de Rivière-du-Loup, là où se trouve aujourd'hui Mme Dumont. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous pour faire la montée. Quel est votre rapport avec cette cause-là? Est-ce que vous trouvez vraiment que c'est une belle cause et qu'on devrait de plus en plus en parler? Ben oui, parce que c'est rare qu'on entend souvent parler des choses, des marches pour les dons d'organes, souvent plus pour le cancer. Je trouve ça important aussi de mettre nos priorités sur d'autres choses que juste le cancer, ou aussi parler de d'autres choses. Ben oui, c'est vrai qu'on n'est pas assez sensibilisé, on n'en entend pas beaucoup parler, puis c'est une bonne cause. Est-ce que vous êtes entraîné pour la montée, cette montagne-là, ou c'est facile là, pour vous aujourd'hui comme activité? Bien, c'est quand même assez facile puisqu'on se pratique depuis le mois de septembre. Puis moi, j'en ai déjà fait avant, donc je suis quand même habituée. Oui, c'est ça. Des fois, je vais avec ma famille. Puis c'est depuis le début de l'année, on s'entraîne. Là, c'est facile, c'est facile. Ensemble, vraiment pour la vie! C'est ainsi que se termine votre bulletin d'information InfoCam. Merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Pour vous trouver un médecin de famille, il suffit de vous inscrire en ligne au guichet d'accès à un médecin de famille. Vous serez sur une liste afin d'être pris en charge. Vous êtes déjà inscrit? Gardez vos renseignements à jour et présentez-vous à votre premier rendez-vous. C'est tout. C'est fait. Je nous ai inscrits. Déjà? Mm-hmm. L'accès aux soins de santé au cœur du plan économique du Québec.